La chirurgie avec implant FAC est réservée le plus souvent aux patients qui ont des amyotropies très fortes, des myopies très fortes, associées ou non à un astigmatisme, ou des hypermétropies très fortes. C'est des patients qui sont extrêmement gênés par leur défaut de vision. Être myope fort ou hypermétrope fort, c'est un handicap. Et c'est vraiment très gênant. Les verres sont épais, ils sont déformants, ils sont lourds. On a besoin de verres amincis, donc c'est des contraintes qui sont importantes. Les lunettes sont très souvent pèsent sur le nez, sont inconfortables. Et c'est donc des patients qui sont très demandeurs, surtout s'ils ne supportent plus leurs lentilles de contact. Lorsqu'ils ont une intolérance aux lentilles de contact, et l'implant FAC est vraiment à ce moment-là une très très bonne indication, parce que c'est des patients qui sont inconfortables, ils ne peuvent rien faire sans lunettes, et c'est vrai que leur donner la possibilité de vivre sans correction, ou en tout cas avec une correction infime, pour eux, c'est vraiment une révolution, et c'est un résultat que l'on peut obtenir avec cette chirurgie.